Évidemment, c'est le bambou. Quand vous êtes à côté d'un bambou, vous êtes à côté d'une herbe géante préhistorique. Elle est née au Crétacé, il y a environ 100 millions d'années, et elle a côtoyé les dinosaures. On peut même penser qu'ils se la mettaient sous la dent tous les matins au petit déjeuner. C'est que ce dur à cuire a évidemment survécu à toutes les extinctions de masse, y compris à la bombe d'Hiroshima. On est en 1945, dans l'épicentre, quelques rares êtres vivants vont s'en sortir, dont un bambou. C'est celui de la pousse la plus rapide, 1,20 m en 24 heures. Usages, c'est ce qu'on lui a trouvé. Du parquet, des vêtements, évidemment on le mange pour les toutes petites pousses. On en fait même des échafaudages plus haut que la tour Eiffel. Thomas Edison crée une ampoule, la première ampoule de l'histoire, avec un filament de bambou. C'est que vous soyez à Shanghai, en Australie ou en Corse, et bien cette variété de bambou, qu'elle ait 5 ans, 10 ans ou 100 ans, ne fleurira qu'une fois et surtout en même temps sur toute la planète.